Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et bien sûr c'est Amnesty Killer pour une vidéo de GTA V Online en compagnie de... Voilà, et en compagnie de mon cousin, mais qu'apparemment il ne veut pas vous dire bon. C'est pas grave. Donc, on se retrouve pour faire quoi comme vidéo, Une Nathan? tête cliché. Voilà. Donc, tout d'abord, vous devrez aller dans la mission Ripou. Alors, après, vous allez demander à Mary Wazer de téléphoner pour un hélico. Pour ça, il faut être niveau 30, bien sûr. Sinon, vous ne pourrez pas appeler le ramassage en hélicoptère. Vous tuez le pilote, vous prenez l'hélico, vous vous rendez devant la gendarmerie. Après, dès que c'est fait, votre ami, vous êtes obligé d'être accompagné, pardon, d'un ami pour qu'il vous prenne un 4x4 km là, et de toute façon c'est obligé pour la partie. Après, dès que c'est fait, vous montez sur le 4x4, vous montez sur la petite bordure, vous allez tout à droite et là vous montez carré. Après vous allez dans inventaire, parachute, vous l'équipez votre parachute, voilà. Je t'en prie Nathan, fais-le aussi. Donc c'est là qu'il va devenir un peu plus compliqué. Donc je dois rester ici, sinon je vais être obligé de rappeler l'hélico. Allez. Donc faut vraiment aller tout au bout, hein. Tout au bout, tout au bout. Et c'est parti, vous mitraillez quoi. Donc là, vous touchez plus à rien. À part votre joystick. Et là, vous faites R1 croix en même temps. R1 et L1 en même temps. Et demain, ça va vous faire bugger. Donc, je sais plus c'est quel camp, je crois que c'est celui-là. Voilà, là, je suis dans mon garage. Ok, bon, c'est bon. Le rond Killer? bleu. Oui, bah 2 secondes, je fais un truc. Ok. Donc là, c'est le rond bleu. Donc là, faut aller à droite. Donc le rond bleu, c'est pas où qu'on doit mettre les voitures? Je sais plus. Bon, allez, moi, j'y vais. C'est bon, j'ai réussi. Donc là, vous avez juste, par contre c'est un peu chaud, vous montez en fait avec l'ascenseur. Donc là c'est parti, vous arrivez dans votre appartement, surtout allez vite sauvegarder votre tenue. Comme ça, vous pouvez sortir de votre appart tout seul. Donc nous, juste faire une petite ellipse juste après, donc là, je vais juste avant sauvegarder ma tenue. L'hélico est toujours là. Donc là je vais faire carré. Je vais la sauvegarder ici, je vais faire justice, je vais l'appeler. Excusez-moi pour le bruit. Donc attendez, je fais une petite ellipse. Donc creux les amis. Donc voilà. Donc là vous pouvez voir que j'ai sauvegardé la tenue. Donc il est marqué en bas à gauche. Donc là je vais faire sauvegarder juste pour voir. Hop. Et là juste pour vous montrer, je vais juste faire hop, inventaire, accessoires. Donc là vous pouvez voir que je peux pas changer ma tenue. Si je fais ça et je vais dans. Mes tenues sauvegardées, et bah là si je fais ça, hop, et si je retourne dessus, hop, voilà, par exemple je vais prendre ça, et là vous voyez que j'ai la tenue de flic. Donc voilà, donc nous on va faire une petite ellipse, juste le temps de voler l'épreuve, et puis on vous dit juste après pour faire la tenue de Pogo cette fois. Allez, à tout de suite. Et bon, les amis, et en fait on va cesser là-dessus les gens, vraiment désolé si on vous a pas montré. Mais je vous rassure que ça marche tout, donc pas la tenue de flic, il faut être en classique. Voilà, tête de pogo, tête de loup et tout, c'est en thématique, il faut avoir le truc des pouvoirs et tout, c'est en... En quoi? Je sais plus. Bah, au restant, quoi. Donc, moi, je vous dis ciao, à la prochaine pour plus de vidéos. Ciao!